Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, est-ce que Lilith préfère définitivement les archers quitte à les rendre ultra cheatés? Qui est le nouveau plus puissant joueur de Rock? Les rois pètent-ils les câbles lorsqu'ils perdent des KvK? C'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips. Bref, tout est sur le Discord et même les pronos de la Ligue Osiris. Je vous le rappelle, chaque vendredi, une vidéo sur les pronos et tous les samedis, les ajustements. On en fait régulièrement sur 3 tours de Paris. Il y a eu 2 fois des ajustements et une fois où on a juste cagnoté. Donc n'oubliez pas, les amis, de rejoindre le Discord, section Prono Ligue Osiris. Hein, et vous saurez tous les secrets de la Ligue. Les amis, on commence par ces infos officielles. Je vous ai dit, ça allait bientôt tomber. Je vous en ai parlé en début de semaine dernière. Forcément, le top du mois d'avril, le top officiel en puissance de royaume, d'alliance ou de joueurs, c'est fait par Lilith, c'est publié sur l'ex-Twitter, le X de Rock de Rise of Kingdoms, donc vous ne pouvez pas le rater. Et là, on est sûr que c'est la même façon que Lilith compte le matchmaking, donc il n'y a pas de surprise. Hein. Normalement, il manque personne, sauf quelques joueurs quand même. Hein. On en parle souvent, je vous en parle souvent. Maverick, on ne sait pas où il est, il a disparu. Il est dans la Matrix, il se fait matrixer. Peut-être, hein, pourtant, il est bel et bien là, joueur, je ne comprends pas, toujours pas, et on n'a toujours pas d'explication, pourquoi ce joueur à 1,5 milliard n'est pas dans le classement. Regardons donc ce classement, et on va le regarder de manière très précise, beaucoup plus précise que d'habitude, hein, s'il y a pas mal d'infos intéressantes à en tirer. Première info, le 10-93 reste toujours de très très loin le royaume des Big Boss, le 10-93. C'est un royaume très lourd, hein, franchement, il est énormissime le 10-93, moi en tout cas je le trouve vraiment très très bon, ils sont très forts en KvK, ils sont très forts en Ligue Osiris, ils sont forts partout, mais peut-être ne vont-ils pas réussir à réitérer l'exploit de gagner la Ligue cette année, en tout cas on a parié sur eux. Regardez, le 10-93, on va aller les voir, on va se rendre dessus. Royaume de Yo-Yo. Alors, on ne peut pas immigrer, hein, évidemment. La limite, regarde les places restantes. Il y a déjà 19 joueurs qui ont immigré. Ils sélectionnent vraiment au cas par cas. On a un plafond classiquement qui est au plus bas à 25 millions. Et pour arriver à 153 milliards de puissance, hein, c'est quoi leurs alliances? Eh bien, vous allez le voir, c'est très lourd. Il faut se rendre au centre de la carte. Hein. Vous allez sur le royaume du 10-93. Vous allez juste à côté du principal point, le temple perdu. Et regardez, tac, on va aller voir les alliances qui sont au centre. Alors normalement, ils ont bien toutes leurs alliances au centre. Ils ont les 93T, les tenants du titre, hein, de la dernière Ligue Osiris. 14 milliards de puissance, mais ce n'est pas eux qui ont le temple perdu. Hein. Pourtant, ça doit tourner les 93L. 12 milliards 3, ça brûle aussi. À côté, nous avons les 93P, ça fait déjà 14 milliards, 12 milliards, 12 milliards 6 encore. Ça brûle, mais c'est pas fini. Ils ont des alliances qui sont un petit peu plus retirées derrière. Les 93D, alors je ne sais pas s'ils n'ont pas baissé en puissance les 93D. 8 milliards 5 quand même pour les 93D. Ça reste très intéressant comme sub. Ils ont les 93A également. Derrière avec 6 milliards 100, ça commence à faire du monde et normalement là on a oublié personne, ils sont montés plus haut en puissance hein, mais avec le nouveau système de matchmaking de Lilith forcément ils doivent revoir leurs ambitions à la baisse en termes d'alliance. On a derrière eux les 1365 avec 121 milliards et vous allez voir si on se rend sur le royaume des 1365. Il y a une très grosse différence en fait entre le premier et le deuxième. On se dit oui, c'est que peut-être c'est que 30 milliards, mais non, en fait c'est énorme. C'est pour ça que le 1365 ne peut pas rivaliser avec le 1093, avec l'ancien système de KvK et même actuellement avec le nouveau système. Regardez, on fait le même exercice, on se place au centre. On voit, on a les INT, les JG, les BLN. Eh bien, regardez, on commence par les JG tout de suite. Hein, ils doivent être à 5 milliards seulement
Là, sur celle qui touche, hein, regardons les INT, tac, hein, ils sont, les INT, ils sont pas mal, ils sont à 13,4 milliards, c'était sûr. On a les BLN, ils ont connu un prime de ouf, ils sont à 5 milliards, maintenant ça a bien baissé. Et on a les JST qui est l'alliance principale, donc en gros, on se retrouve avec deux alliances principales. Là où le 1093 en a 3, donc forcément, ça fait une très très grosse différence. Ensuite, on a le 1960 hein, avec 114 milliards. C'est pas très loin hein, tout de même, hein, le 1960 par rapport au 1365. Hein. Puis le 2429, hein, énorme 2429 hein, en KVK avec les S2S. Alors, ils vont baisser à mon avis en puissance avec l'ouverture de leurs portes et les fights en cours. Hein. Mais pour le moment, quand le classement a été fait, il a été arrêté, que je vous dise pas de bêtises, au 30 avril. C'est ce que donne Lilith comme info, donc arrêté au 30 avril. On est avant les gros combats. Cinquième position, le 1875, pas très loin derrière, avec 87 milliards. Le 3060, retour en force du 3060 dans ce classement qui monte à la sixième position. J'ai été étonné de les voir si haut. Si on regarde quelle est l'alliance principale des 3060, moi-même, je ne le savais pas comme ça de mémoire. Le 3060, c'est les 60-1. Jamais j'aurais pensé qu'un royaume aussi jeune, 489 jours, hein, 489 jours, 4 heures, 4 minutes et 39 secondes, voilà, c'est mieux, puisse se hisser si rapidement à la 6ème place. 7ème, le 2849, 8ème, le 2268, 9ème, le 1002 et 10ème qui ferme le podium, le 2377 qui lui n'a qu'une énormissime alliance, les GV77. Doivent tourner à 21 ou 22 milliards actuellement. Bref, du très lourd ce classement. On passe au second classement. Alors ça, c'est des données officielles. Hein, donc, il n'y a pas de mystère. On passe au second classement fourni par Lilith. Et là, on se retrouve avec le classement par kill point de chaque alliance. Et disparition du 1093 hein, sur le podium. J'ai été encore une fois très étonné. Je pensais qu'ils auraient la troisième place, mais ils n'ont pas eu un dernier KVK qui leur a permis vraiment de faire un gap de dingue, même s'ils ont assuré. Les 60 GT se rapprochent tranquillement des 3000 milliards. 3000 milliards, c'est une barre de ouf. Et regardez l'écart entre les 60 GT et le 2489, le 2489 qui lui est à 2100 milliards. Il y a presque 1000 milliards d'écart. Je ne vois pas comment on peut rattraper un tel écart. Maintenant, avec les nouveaux systèmes d'immigration, le bridage qui a été mis par l'élite, impossible pour moi de rattraper un tel écart, sauf si des joueurs des 60 GT arrêtent, migrent ou se font racheter leur compte. On l'a vu, hein, Arvix a racheté pas mal de comptes de joueurs des 60 GT. Il les a fait migrer d'ailleurs sur différents royaumes. C'est assez énorme cet écart. Troisième, les S2S, les Side to Side, hein, qui sont une énormissime alliance et en dessous des 2000 milliards, 1700 milliards. Quatrième, les Lively 1188. Là, on n'a que des alliances qui peuvent prétendre être dans le carré final de la Ligue Osiris, hein, dans, selon leur, leur royaume, bien évidemment, leur domaine plus précisément. 60 GT, ils y seront. 489 aussi. S2S aussi. 1188. Pareil, sauf s'ils se rencontrent hein, avant les demi-finales, bien évidemment. Et le cinquième, les 93T, 1651 milliards. Ils ont pratiquement moitié moins de kill point que les 60 GT. Sixième. Alors, il y a une explication à ça. Il faut savoir que les 93T ont, comme vous l'avez vu, énormément de joueurs, énormément d'alliances. C'est ce qui fait qu'ils gagnent les KVK. Ils sont très nombreux. Des joueurs, ils ont beaucoup de petites baleines, de très grosses baleines aussi, et des mid-spenders, ce qui leur permet de rester actifs très longtemps et tenir le combat très longtemps. C'est pour ça que c'est très bien réparti chez eux. Sixième, les ULT, énorme ULT, hein, toujours en Ligue Osiris. Les GV77, septième, avec 1377 milliards. Les IN, Infamous, hein, énorme aussi. Hein. Huitième, les INT, cette fois. Neuvième et dixième, les JST. Alors les JST, hein, c'est un petit peu mort pour eux, mais ils sont toujours dans ces classements. Je pense qu'ils vont bientôt en sortir, hein. Sauf le classement de puissance par royaume. Pour le moment, ils sont bien à leur deuxième place. Et le dernier classement, évidemment, toujours officiel,
le classement des 10 joueurs les plus puissants. On retrouve Ekremabi toujours en première position avec 1 milliard 966 millions de puissance. Alors Ekremabi a un petit peu baissé en puissance, hein. Il est à présent, je crois, en dessous du 1,9 milliard, hein, au moment où Lilith publie ses chiffres, hein. Forcément, il y a un décalage de 15 jours. Ensuite, on a Mr. Hop et Wild Lion qui sont toujours au-dessus du 1,5 milliard, hein. Je vous le rappelle, c'est un père et un fils, et si je dis pas de bêtises, de mémoire, les deux sont sur le GV77, chez les GV77, hein, le 23-77. Hein. Quatrième position, Baba. On le voit rarement en dehors du podium, mais ça va déjà deux fois de suite. Baba à la quatrième position, presque à 1 milliard 2. Et Mimi est repassée sous le milliard. Je ne sais pas pourquoi elle reste à cette barre. Hein. Flower of Mimi, 1 milliard, pratiquement 999 953 991. Sixième, Perfume of Mimi, hein, tout juste en dessous, hein, pratiquement au milliard. Yoda, qui a tout de même perdu 700 millions de puissance, hein, lors du dernier KVK. Septième position, Yoda. Huitième, BT Cyborg, 752 millions. Neuvième, toujours là, Boom 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 3. Il gère toujours cette neuvième place. Hein, et dixième, Fluffy Pony. Normalement, si je dis pas de bêtises, derrière, ça doit être Marquinhos qui est juste derrière, hein, Mokot, qui normalement est 11e, il y a 500 et pratiquement à 580 millions. Il fermerait cette 11e marche, mais on n'en affiche que 10 et ils le disent tout en bas. Regardez, je vous le disais, hein, ils mettent la ligne tout en bas, hein, que les statistiques ont été faites au 30 avril 2024. Et c'est du data officiel, des données officielles de ROC. Donc encore une fois, les chiffres sont ultra fiables. En parlant de chiffres ultra fiable, les amis, venons-en justement à ce dont je vous parlais, hein, avec les archers. Est-ce que les archers sont en train de devenir complètement cheatés? Est-ce que Lilith, après l'ère des cavaliers, est en train de craquer totalement sur les archers? Regardez le nouveau skin qui sortira le mois prochain, au mois de juin, du Zénith du Pouvoir. Alors déjà, Lilith les annonce très largement en avance. Où sont les nouveaux commandants légendaires? Alors on va pas s'en plaindre, mais où est Belisaire Prime? Où est-il? Il est annoncé, là on a un temps vraiment étrange entre les anciens commandants qui sont sortis et les nouveaux. Ça fait très longtemps, en temps de rock, hein, qu'on n'a pas eu de nouveau commandant légendaire, à croire que Lilith rencontre un petit souci. Et là il nous annonce un nouveau skin pour les archers, complètement cheaté. Santé des archers, santé, je vous le rappelle, santé, c'est le top du top. Santé supérieure à défense, défense supérieure à attaque. On se retrouve avec un plus 15% en santé, moins 5% en cavalerie et moins 5% en cavalerie défense, hein, et moins 5% en infanterie attaque. Au final, si vous jouez des duos archers, si vous jouez des azures avec, par exemple, Herman Prime, vous allez être au maximum. Vous allez être avec du très très lourd, là, pour les rallyes. Donc, je crois que Lilith met vraiment l'accent sur les archers. Avec ce skin-là, en open field, il va avoir des scores de ouf, hein, pour ce skin-là. Avec ce skin, en open field ou en rallye, les archers vont être vraiment insurpassables. Ils vont être au maximum. Et c'est là que je me dis que Lilith arrête avec l'ère des cavaliers. On a eu aussi une petite ère rapide, hein, avec Gorgo et Luigi de l'infanterie. Très rapide, malheureusement. Hein. C'est vraiment les cavaliers qui ont eu la plus grande ère avec Nevsky et Jeanne d'Arc Prime. Mais là, vraiment, avec Herman Prime, on se retrouve dans une domination absolue des archers. Si vous n'êtes pas archer, vous allez forcément vous faire défoncer en open field. Je vous le rappelle, hein, que ce soit niveau des 7, niveau de ce thème qui arrive, là, ça va vraiment être ultra cheaté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis. Mais là, il serait grand temps que Lilith nous ressorte des très bons skins pour les autres classes, hein, plus facilement accessibles, et qu'il nous sorte des nouveaux commandant cavalerie. Moi, je suis spé cavalerie, infanterie, beaucoup moins archer. Hein. Vraiment des nouveaux commandants qui vont reprendre encore en cavalerie. Le smite damage, si possible, ça serait le top. Le smite damage qu'on puisse rivaliser avec ces archers. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. J'aurais bien été chercher ce skin, hein, mais il va être inatteignable, comme d'habitude, pour nous, les simples mortels, hein, que ce soit les mid-spenders, les free players
ou même les toutes petites baleines, hein, là il va falloir mettre des très très gros coups de CB. Ça va se battre, les plus grosses baleines sont spé tout de même archer pour une grande partie d'entre elles. Les amis, on finit cette vidéo avec un roi qui est en train de péter les plombs ou pas. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez. Il s'agit du 3376, du roi du 3376, hein, leader des 76 WP qui dit pas de merci, hein, pas de pitié, plutôt et pas de merci, pas de pitié. Hein. Et à partir de maintenant, tous ceux qui auront des unités T2, T4 hein, et qui n'ont pas fait la règle du 1-1 seront tout simplement 0. C'est simple, hein, lorsque vous sortez de KVK ou vous êtes dans un KVK difficile. Certains d'entre vous disent que les rois pètent des câbles, je vous l'ai montré, certains partent vraiment en vrille. Mais là, qu'un royaume tente de diminuer sa puissance pour accueillir des migrants par la suite, ça ne me paraît pas complètement déconnant. Les trébuchets, les T2, T4 sièges, évidemment, je n'avais pas précisé. Franchement, ça ne va pas servir à grand chose, ça sert en trash à la fin d'un KVK, vous mettez ça avec du Wuzetan selon la version du KVK où vous êtes par exemple, ou avec des commandants qui sont capables d'accepter tout avec des YSS, etc. Et là, vous allez pouvoir vous vider, diminuer en puissance et tenir plus longtemps et affaiblir vos adversaires, donc non, ça va pas vous servir à grand chose. Et si vous devez farmer dans des zones où vous allez vous faire déboîter, vous allez sortir des T1 sièges, c'est rapide, c'est facile à faire, ça coûte pas cher. Et si on vient vous les tuer, vous les blesser, ça va vous coûter rien à les soigner. Donc pour le reste du T2, T3, T4, T5 sièges, vous pouvez vraiment les shooter sans aucun problème. Et de mon point de vue, peut-être 0 aussi cash s'il n'y a pas eu d'avertissement avant. Abusé, il faut laisser un petit peu de temps aux joueurs de se barrer ou de détruire leur siège, mais sinon ça me paraît tout à fait normal et pratiqué sur pratiquement tous les royaumes. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock.